Salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Prison Architect. Oh yeah! Alors aujourd'hui, juste petite information qui n'est pas très utile sûrement pour vous, mais bon, moi je le dis quand même, je tourne avec Action de Mirilis. J'ai repris les vidéos avec ce logiciel puisque finalement j'ai bien fait des comparatifs et c'est clair que comparé à OBS, la qualité est bien meilleure, ça c'est clair. Bon, par contre, niveau ressources utilisation, on va dire ressources processeurs, c'est quasiment pareil pour Prison Architect. Il n'y a pas vraiment de différence. Mais sur certains autres jeux, par contre, il y a des différences, et notamment sur War Thunder où là on a un drop de FPS avec Action. Bref, là c'était le yard il y a 2 secondes précisément, mais au final c'est le free time maintenant. On va faire passer le temps vite. Alors, ça me fait plaisir de revenir sur Prison Architect. On a du boulot. Ici, on a un gros chantier avec les cellules. Bon, on avait déjà lancé les constructions. Ici, je vois que la douche n'est pas complètement terminée. Ce serait sympa de la finir. Alors, putain, ça commence déjà. Shower, faut pas que je dise que c'est orange. Et j'ai une grande nouvelle aussi. J'ai enfin trouvé, après des mois de recherche acharnée et de travail non-stop, un nouveau design de miniature ainsi que un nouvel overlay qui apparaît au début des vidéos. Alors pour ceux qui voient pas, c'est à dire le comment expliquer, la petite animation qui indique le jeu et le numéro de l'épisode au début de la vidéo. Voilà, ça j'ai changé, et l'intro et l'outro je les ai modifiés un peu. Alors là ce sont vraiment que des tests. Je vais sortir le premier épisode de mon aventure que j'ai commencé sur le Seigneur des Anneaux, War in the North. Alors j'ai juste le premier épisode sera un épisode test niveau intro et outro. Je pourrais y apporter quelques modifications si jamais je change un peu plus le design. Enfin voilà, vous m'en direz des nouvelles. Je vais essayer de le sortir demain puisque le fichier de sortie était assez lourd. Bizarrement, j'ai eu un bug avec Sony Vegas qui fait que j'ai dû faire avec Camtasia et le fichier est un peu plus lourd. Bref. Ici on m'a dit une petite astuce concernant la salle de sécurité assez sympa. On va le faire maintenant. Déploiement, garde patrol déjà, t'en viens 1. Et on m'a dit une super astuce. Vu que les sécurités, enfin les moniteurs de sécurité sont sur 4, sur 3 pardon, 3 sur 3, il y a un carré au milieu. Ce qui fait que pour que ce soit optimal, il faut que juste faire la patrouille au milieu. Voilà, comme ça on est sûr que les moniteurs soient activés. Et comme ça c'est super optimal. On peut prendre un garde pour aller faire autre chose. Ici j'avais oublié, mais j'avais enlevé la caméra de sécurité. Alors je vais peut-être la mettre dans le bon sens. Attendez, si je la tourne. Ah, il me semble que c'est dans ce sens là, ouais. Nickel. On va aller la poser. Et encore un commerce de fourchettes et de couverts en tout genre. Non mais oh, c'est de la contrebande, c'est incroyable ça, c'est vraiment... putain, ça devrait même pas exister. On va devoir arranger ça dans les plus brefs délais. On va d'abord finir la douche avant, ce serait peut-être une bonne idée, puisque sinon les prochains prisonniers ne pourront pas se doucher. Ce serait un petit peu con. D'ailleurs, est-ce que... Oui, j'ai 8 prisonniers qui arrivent bientôt. Mais au lieu de tergiverser, faisons les douches. Alors je regarde le modèle que j'ai fait dans les autres douches. Ok, alors on en laisse un, ok. Voilà. On va pouvoir faire la salle commune aussi. Salle commune qui va être très importante pour nos petits prisonniers. Et une douche là. Ici le suppose. Tac. Tac. Je regarde bien le modèle précis. Après, c'est entre. Pour le coup, là, c'est pareil. Alors attendez, j'ai fait peut-être une connerie. Hein. Ouais, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie de placement, ouais. En effet. Voilà. Comme ça, on est nickel. Entre chaque truc. Voilà, on oublie bien sûr... On n'oublie pas, mais plutôt, c'est plus correct. Mais merde, les drains, on les place correctement. Ça va nous coûter bonbon cet investissement quand même, hein. J'espère que on aura les retours. Bon, déjà on gagne 1156 par jour, sans compter le workshop que je compte faire bientôt bien évidemment.
puisque on a besoin d'une source de revenus un peu plus élevée vu le nombre de prisonniers qu'on va avoir. Je vais devoir, enfin, et la bouffe aussi notamment. Voilà, ça va faire un gros merde dans le budget. Mais bon, voilà, je pense que le workshop déjà ça viendra. Et puis la laverie ça compte pas. Je suis bon, bien sûr. D'ailleurs, va falloir que j'en installe une rapidos de laverie puisque c'est pas qu'ils soient un peu crades les. Enfin, le linge est un petit peu crade. On va aller faire un tour pour aller vérifier ça. Voilà, les douches sont terminées. On va aller faire un tour, disais-je, dans les needs. Voilà, les besoins. Alors, le linge, bon, ça va, c'est encore assez raisonnable, mais bon, va falloir agir. Ok, c'est l'heure de la bouffe. Non, shower. Ils ont fini de bouffer normalement, je crois. Hit. Imagine. Non. Ok. C'est qu'il y en a, ils stationnent dans la cantine. Ouh là 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 là, ouh là là. D'ailleurs, j'ai pas pensé à mettre des. Pourquoi ils se lavent pas? Ok. Bon, bah, ici, il y a personne qui se lave. Ok. Ok, c'est noté. Alors, à la place de ça, on mettra travail. On mettra 2-3 heures de travail de 7 à 8 heures. Ça leur fera pas de mal, hein, au pire. Hein. Ou peut-être un yard, je sais pas. Ouais, non, on va leur mettre du travail là, 2-3 heures de travail. Parce que là, y a personne qui se lave, une heure c'est trop. Hein. Regardez, là la bouffe elle est quasiment prête. Ah, les cuisiniers ils en chient un petit peu. Ah, je vais devoir rajouter des cuisiniers, hein, ça va pas là, staff, y a pas assez de cuisiniers. Ils sont 5 cookers. Ouais, il en faut 2 au moins. Voilà, 7, on va en rajouter un troisième. Allez, c'est la fête. On en rajoute 3 cuisiniers. Allez-y, vous pouvez bouffer. Ah, y en a pas beaucoup qui. Alors, je me souviens plus. Quantité, non, ouais, quantité, j'ai mis high normalement. Donc, ils sont censés pouvoir manger. Ah, j'ai peut-être mis trop de cuisiniers, hein. J'en ai 8, là, c'est peut-être un peu beaucoup. Hein. Oh, j'en vendrai un peut-être. Enfin, j'en vendrai un. Non, je ne vends pas du personnel, pardon. Je voulais dire, j'en licencierai un. Ouais, mais pour le coup, là, y a personne qui bouffe, regardez ça, quoi. 17% à garder dans les needs. Peut-être que je les nourris trop, au final. Hein. Needs, food. Ouais, vous voyez, c'est pas tellement... Hein. Par contre, ils ont bien besoin de dormir. Donc, je pense que là, régime, je vais pouvoir baisser, là. Free time. Non, sleep. Voilà, sleep. Ils peuvent aller dormir. Bon. C'est pas grave, le danger augmente un tout petit peu, mais c'est pas encore très très grave. Ici, bah, j'ai toujours pas fait le raccordement sanitaire là. Je m'étonne. L'auto-saving qui va encore nous casser les pieds. Voilà. Ah, encore une cuillère. Allez, décidément les mecs, ouais, faut arrêter un petit peu là. En plus, les mecs ils sont stationnés là, tant qu'il y a un garde, ouais, voilà, qui viennent. D'ailleurs, les gardes, j'ai pas vu combien on a de gardes parce que si on a. Ouais, 15 gardes, bon, ça suffit pour l'instant. On est à combien de prisonniers? 58. Et nous avons une capacité de 89. On peut voir ça juste là. On a 10 caméras de sécurité. Par contre, ici, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il veut pas. Ça y est, j'ai gagné ma paye. Ah, les bugs de bâtiment ça arrive souvent, voilà. Ouais, bah, parce que fallait péter ces murs là. Donc ça c'est pas grave, voilà, on le remet. Vite fait pendant la nuit, ce serait sympa. Le seul problème ouais, c'est qu'on va faire des ouvertures ici. Non. Ah ouais, merde, le problème c'est que... On va faire des ouvertures... Voilà, on va faire des ouvertures ici. Ce qui fait que là, on va mettre des murs. Là, on va mettre des murs. On va rajouter, tac, on va faire une grande douche parce qu'il commence un peu à être serré là. Non, non, ici, on peut pas, de toute façon. Voilà. Parfait, parfait. Ça se construit. Ici, on va mettre en place notre petite common room qui sera assez grande. On va pouvoir mettre des billards, des bibliothèques. Qu'est-ce qu'il a? Ah merde, lui, putain, son mur, il a été pété, fuck. Et ici aussi, je suppose. Construisez-moi ça. Pareil, les workmen, j'en ai 11. Il va falloir que je licencie un peu aussi. Bientôt, quand on aura plus besoin, un raccordement sanitaire. À chaque fois, j'ai dû faire un raccordement haut là pour le coup, puisque c'est pas sanitaire. Alors. Ça, on va faire sur le même schéma. C'est parfait. Ici aussi, c'est pareil. Putain, j'ai bien fait de faire ces grands réseaux de tuyaux d'eau parce que là.
pensais pas qu'on en a légèrement beaucoup besoin, mais un petit peu quand même. Voilà, ça c'est parfait, ils vont faire ça pendant la nuit. Nous on va s'occuper de la common room, on va mettre les murs avec des entrées doubles. On mettra des détecteurs de métaux parce que je suis sûr que c'est là que régnera le centre du crime de la prison. Alors, room, common room. J'en profite aussi pour vous dire que la série, CityXL, ma chère série, ma toute première série que j'ai commencé sur cette chaîne, va reprendre bientôt, là, dans 2-3 jours, là, le temps que je remette les mods. Je pense que je vais faire ça soit demain quand j'aurai le temps ou mercredi, quoi. Enfin, vous verrez, je vais réussir à faire ça. Dans les plus brefs délais, vous aurez peut-être d'ici la fin de la semaine, normalement, un épisode sur CityXL. Déjà demain, normalement, vous aurez... Enfin non, mais c'est con parce que quand je parle, je sors jamais mes vidéos. Ouais, non, bon, bref, oubliez. En tout cas, normalement, à l'heure où vous écoutez cette vidéo, soit l'épisode de... Comment ça s'appelle ? Du Dessineur des Anneaux, le premier épisode sera sorti, soit il ne le sera pas. Enfin bref, vous verrez. Donc, alors, qu'est-ce qu'on met dans la common room ? Bitches. Déjà, alors on va faire un coin billard et puis on va faire un coin télé-lecture, genre le coin billard avec deux, voilà. Allez, on va s'endetter, non, on va pas s'endetter, mais on va faire un coin télé du genre avec voilà, la masse de chaises, une petite télévision. On va mettre des téléphones aussi, je pense. On va faire ça, deux coins télé comme ça. Voilà. Et puis on va faire un côté, un petit côté lecture. S'ils veulent se mater des petits films comme ça. Les bibliothèques. Bientôt ils en auront dans leur propre cellule. Hein. Voilà, et là on peut mettre bien sûr des chaises. Petit coin lecture, voilà, tranquillou, posé. Et voilà, c'est parfait. On peut rajouter quelques petits téléphones. Voilà, un petit téléphone là et un petit téléphone là. Voilà, parfait. Avec bien évidemment des doors pour pas qu'ils se barrent. Et puis on va mettre du parquet, voilà, dans la common room. Voilà, c'est parfait. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre du carrelage, il me semble. Alors je sais plus si ouais, c'est carrelage. Du carrelage dans les douches. S'il y en a pas, non. Voilà, c'est parfait. Putain, ça commence vraiment à coûter un petit peu cher. Hein. Va falloir faire gaffe. Ici, lui, on lui a reconstruit son mur de cellules parce qu'il en avait plus. Nos prisonniers vont arriver bientôt. Et ici là, je sais pas combien ils sont, mais j'en ai demandé qu'un ici perso. Bah, je vais peut-être refaire le déploiement. Hein. Ah merde, par contre le problème c'est que... Attendez, je vais peut-être établir un... de la patrouille dans ce coin-là. Voilà, comme ça, on va faire tout le tour. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre plusieurs gardes. Parce que la moitié là, et j'ai l'impression qu'ils foutent un peu rien. Là. Voilà, comme ça, nos patrouilles seront assez optimales, je pense. On peut s'en permettre d'en mettre encore un dernier, peut-être deux gardes. Voilà, faut au moins qu'ils soient 3-4 ici, quoi. Voilà, comme ça ils se barrent tous du holding cell et ils sont là en train de patrouiller comme il faut. Ici ils m'ont pas mis de mur, peut-être parce que je l'ai pas mis. Les douches, putain, on aura fait que des douches durant cet épisode, c'est abusé ça. Tac, voilà, comme ceci. Là ils pourront se doucher comme il se doit, hein, qu'ils viennent pas me violer dans les oreilles, qu'ils peuvent pas se doucher convenablement. Hein. Regardez-moi ça si c'est pas bien calculé. Hein? Putain. Ah là 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 là. Et ici on a bien un mur encore. Voilà. Et eh ben, d'ailleurs j'ai oublié de mettre une douche encore. Putain, ça m'aura coûté cher en pommeau de douche ça. Bref. Voilà. Ah, c'est parfait ça, parfait, parfait. C'est l'heure de la bouffe. Alors voyons voir les performances que je peux atteindre avec la bouffe. Je vais peut-être remettre des poubelles. Ouais, ils ont pas assez de poubelles on dirait. Poubelles. Ah bah je l'ai mise à l'envers la poubelle, non?
Non, c'est bon, allez, dans le bon sens. Je vais mettre deux autres poubelles parce que là, ça va plus. Et encore, putain. Eh, faut qu'ils arrêtent, les mecs. Hein. Arrêtez avec ça. D'ailleurs, je vais mettre un détecteur de métal, de métaux, ici, à l'entrée de la salle de visite. Parce que ça se trouve, ici, ils s'échangent les trucs, les matières gélichites. Oula, le ton est monté un petit peu ici. Je vais peut-être mettre un garde ou deux, histoire de, voilà. Bah, je leur donne peut-être trop de temps pour bouffer. Ah, 72%, si, c'est pas mal. Ah bah si, bah voilà, on a eu 8 nouveaux prisonniers, j'avais même pas regardé. 8 nouveaux prisonniers, c'est parfait. Bah voyez, regardez, ça commence vraiment à s'agrandir comme il faut. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah merde. Lui, il a pas de mur ici. Bon, on peut fermer, hein. On peut fermer. Tac, toutes ces portes-là, on peut les mettre en normal. Normal. Ok, ça c'est un peu chiant à faire, mais bon. Faut bien le faire, ok. Et puis on trouve toujours des fourchettes là, c'est la merde. Alors j'espère que les solitaires servent à quelque chose. D'ailleurs, je devrais mettre une caméra de sécurité ici, j'avais même pas tilté. Parce que s'ils commencent à se barrer, ce serait un peu con. Faudrait qu'on voit quand même ici. Bon, c'est nickel, le clean cupboard. C'est pas trop un problème, on s'en fout. Et ici, ils sont toujours pas décidés à détruire ces putains de murs. Non. Non mais j'espère qu'ils vont les péter un jour parce que sinon ça va pas le faire. Ici aussi ils vont pas me le faire, putain. Ah, ça fait chier ça, ils vont rester là ces murs. Putain, ça m'énerve. C'est moche quoi. J'espère que ce sera corrigé dans les prochaines mises à jour. Putain, regardez-moi ça comme ils sont entassés. Il est grand temps que je mette un deuxième yard. Je le ferai là-bas. Comme ça, ils pourront se disperser. Parce que là, ça commencerait à être un petit peu concentrationnaire. Enfin, un tout petit peu. Bon, là, la moitié reste dans leur cellule. Je pense qu'on va faire, c'est quoi? On va bientôt engager le programme lecture et alphabétisation des prisonniers. Ah, j'ai absolument pas insinué qu'ils n'étaient pas alphabétisés. Enfin, qu'ils n'étaient pas éduqués ou ce que vous voulez, mais bon. Hein? Un peu de bibliothèque dans leur cellule leur fera pas de mal. Ça leur permettra de penser à autre chose qu'à leur misérable peine. Enfin, qu'à leur misérable vie dans un sens. À la prison. Alors, est-ce que j'ai assez ouais, pour de moniteurs? Ouais, la petite auto-saving. La bouffe qui vient. On est déjà au 12e jour, c'est pas mal ça. Je vais pouvoir m'attaquer au workshop maintenant. Je sais pas. Alors, par contre, ça va être la grosse merde. Je vous le cache pas là. Alors, ouais, ça va être la merde. Comment je vais construire ça? Non, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. On va faire ça comme ça. Voilà, et puis le truc, je le ferai en dessous. Voilà, 8000. Et ah, fuck. Voilà, 600, ça n'a pas bouffé trop. On va peut-être se reprendre quelques contrats. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais allez, pourquoi pas. Bah voilà, un truc qui nous donne 10 000. C'est fait comme ça. Ça c'est quoi? Bah ça aussi, voilà. J'ai même pas le temps, je regarde pas. It is a sad day at one of the other prize massacre took place. Ah. Et bah voilà, attends, là, beaucoup d'argent, c'est cool. Bon, on va s'arrêter un peu là pour les contrats. C'est bon, on a 61 000. On gagne 1300 par jour, sans compter les licenciements que je vais opérer d'ici. Bientôt je licencierai des workers, mais surtout peut-être des cuisiniers. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de cuisiniers. Voilà. Un ou deux, je sais pas, je vais voir. Pour l'instant, ça suffit. Et le yard là, il closing. Ah ouais, merde, non, c'est ça qu'il faut que je construise. Ah ouais, c'est la laverie, les mecs. Laverie. Ah, mais bon. Bah, en attendant, c'est vrai que là, dans les needs, putain, il commence à gueuler là. Ah oui, ça commence à devenir critique. Ouais. Bah, je vais vite faire cette laverie à la con. Je l'ai peut-être vu à la baisse, alors trop petite. Enfin, je veux dire, j'ai peut-être vu trop petite cette.
cette laverie. Bon, on va voir ce que ça donne. Faut juste qu'ils me construisent ce bâtiment. Il y a Jean-Pierre qui a déjà commencé la construction. Mais ouais, parce qu'ils ont besoin de vêtements propres là. Et puis, ils ont toujours pas fini la douche. Regardez-moi ça, c'est encombré de pommeaux de douche. Bon, ça va là, c'est assez. Lui, bon, je sais pas ce qu'il fout. Je sais pas pourquoi il veut sortir. Les groundskeeping. Mais les gardeniers, je sais pas pourquoi ils bossent pas. Regardez-moi, il y a des. C'est crâle là, non? Vous avez du boulot, merde! Je vous paye pas pour rien glander quand même! Putain, j'en ai 4 en plus quoi. Staff, alors. J'ai oublié d'embaucher un. Ouais, il y a un bureau qui est libre. Je vais embaucher un avocat. Voilà, j'ai embauché un avocat. Ce qui veut dire que. Ah non, je l'ai pas débloqué. Bah tiens, on va aller dans bureaucratie, on va voir ce que j'ai pas débloqué. Les dogs, je vais le faire. Tiens. Policier, on va le faire aussi. Comme ça, c'est fait. Au niveau recherche, finance, voilà, c'est parfait. Et valeur totale de la prison, 450 000. Alors ce serait bien qu'on atteigne les 1 million. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce serait une moyenne honorable. Time without incident, 275 heures. C'est parfait, on n'a pas eu une seule bagarre, on n'a pas eu une seule évasion, on n'a pas eu un seul meurtre. C'est nickel. Là, si on la vend, putain, c'est maxi jackpot, hein. Mais bon, là, c'est pas encore le but. Bah, il y en a, ils restent assis, je sais pas ce qu'ils foutent. Eux, ils préparent la bouffe, ils savent faire. Il est quelle heure, au fait? Ah, c'est la nuit, d'accord, ouais, c'est la nuit, j'avais pas capté. C'est bientôt la nuit. C'est parfait. Ici, ils installent. Alors, est-ce que... Non, j'ai pas fait le raccordement à chaque fois. Bon, alors, quand je passe dans cette nuit-là, ça rame un tout petit peu. Voilà, ça, ça sera fait. On aura deux belles douches. Je vais rajouter des lumières parce que là, un petit peu sombre là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Bon, par contre, je vais peut-être pas foutre des caméras dans les douches. Hein. Bon, voilà quand même. Hein, Ah, j'ai un minimum de respect quand même. Hein. Il faut pas exagérer. Putain, mais ils sont vraiment. Mais les mecs, quoi, sérieux. Putain, vous avez une énorme douche au milieu. Et eux, ils prennent la plus petite qui est à droite. Ils sont pas très très logiques, surtout que d'autant plus qu'il y en a la moitié qui se lave pas. C'est assez chiant régime. Mais je vais la virer cette heure de shower là. Je vais la virer. Je vais foutre plus de temps libre. Et enfin à la place je mettrai 3 heures de boulot, voilà, ça leur fera les pieds. Pour enfin bosser. Alors voyons voir. Closing, ouais non non le principal ouais. Ah merde. C'est ça vraiment. On va essayer de construire cette laverie vite fait. Comme ça, demain, ils pourront avoir des vêtements propres. Ouais, parce que là, ça va plus. Hein. C'est ça que qui fait tout. Qui fait foire. Et là, regardez, Nid. Ah, là, ça devient catastrophique. Hein, foot. Là, c'est. Active. La foot, ça baisse. Mais non, mais la moitié, ils bouffent pas, quoi. Je te jure, il y en a, ils sont chiants. Hein. Ici, ils installent. Et encore des cuillères. On va voir un peu la contre-mande, c'est ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a plein, regardez ça. Ah ouais, j'avais jamais vu ça. Sympa ça, regardez les items qui sont On peut voir tout le cheminement de cet objet. Alors il a été volé dans les steering table là. Il a été détecté par le détecteur de métaux et par le deuxième détecteur de métal. Et il a été trouvé dans les douches. Et le mec s'est fait choper dans les douches. Et c'est comme ça que vous voyez là on a 30 000 cuillères là. Là on a que. Regardez ça, cuillère, on a 4 cuillères de fourchette à des clopes. Oh putain ce cheminement. Oh là là le mec. Putain il s'est fait un putain de chemin le. Ah ouais d'accord, mais en fait c'était ici. Regardez ça dans la salle des visites. Ouais ils arrivent à avoir de l'alcool, de la drogue et même des cigarettes. Hein. Ici ils peuvent avoir. Mais ici ils peuvent pas passer de toute façon. Ils pourraient avoir des cigarettes aussi parce que voilà. Ah oui, j'ai pas mis l'électricité sur ce détecteur de métal. C'est bateau. Putain, à chaque fois je fais la faute. Ok, la paye. Bon, on a gagné 1000, c'est parfait. Et voilà, ça ressemble enfin à quelque chose. C'est harmonieux, c'est beau. Et ils font dodo pendant que eux s'affairent pour construire ce bâtiment. J'ai oublié de mettre les portes d'ailleurs. Voilà. Ok. Ah merde. Non, si, c'est bon. Ah fuck. Par contre, ça m'a encore pété. Ah bah shit, ouais, ça a foutu en l'air les solitary résultats. Faut que je les reconstruise. Ici ça a pourri le mur là et ça a pourri le mur là.
Par contre, ici, on va pouvoir vite se faire la laverie parce que là, ça pue, ça schmoute un tout petit peu. Laverie room, on va faire ça rapidement. Laverie, il faut vite installer. Puis on va mettre au job. Alors, object, qu'est-ce qu'il faut dans une laverie? Déjà, il faut la masse de machines à laver qui valent 1000 euros. Enfin, 1000. On peut même pas les tourner. Comment ça s'appelle? 1000 dollars. Voilà, on va mettre 4 machines à laver. Et on va mettre des baskets. Ah putain, je sais. Oh là. On va mettre les baskets là. Et les. Voilà. Truc pour repasser. On va foutre ça là. Voilà. On va foutre ça là. On va mettre un peu plus de panier à linge. On va foutre là, voilà, comme ça. On va mettre des drains. Alors j'ai vu ça, faut mettre des drains devant les. Tac. Et alors normalement, il faut les ramener à la. L'électricité. Voilà. Et à la flotte aussi, si je ne dis pas de conneries. Voilà. Et là, on a une magnifique laverie. Bien sûr, on va rajouter du carrelage. Et hop, on va pouvoir mettre du job. Alors, le job dans régime. Tout de suite. Work, on va leur mettre 3 heures de boulot. Ouais, 3 heures de boulot. D'ailleurs, alors pour le boulot, on va bien sûr dans job. Kitchen. On va mettre 4 à la kitchen. Donc, ils iront bosser. Et on va en mettre. Là, par contre, c'est pas encore construit. Hein. Attendez, pourquoi je peux pas mettre. C'est pas considéré comme une laverie? Ah merde, c'est que c'est pas fermé. Je pense que c'est ça. Ouais. On va mettre une porte normale. Voilà. Comme ça ils pourront aller bosser tranquillou. Et là ils ont toujours pas construit. Ah putain, fuck. Ça m'a pourri tous les murs là. Attendez, y'a un problème là. Eh merde, je me suis planté. S'il fallait pas, bah, je vais devoir détruire ça. Voilà, fallait pas. Non, c'est pas grave. Ils vont reconstruire le solitaire. Ça, on va mettre open. Auto-saving qui fait chier. Là, on va laisser en ouvert. Comme ça, ils pourront venir installer. Ok, alors on va pouvoir sûrement mettre le job. Voilà. Et là, on va mettre 3, 6, 7, 8. Ils seront 8 à venir bosser ici. Et tout le reste, ils travailleront là. Putain, le mec, il s'est enfermé alors qu'il y a une ouverture, quoi. Il est sérieux. Ok, bon. Ça, on va le péter. J'espère qu'ils vont le casser, ça. Sinon, ça va me faire chier. Putain. Ils sont cons, ces ouvriers! Ah c'est bon, ils m'ont pété, nos problèmes. Et ils vont construire le mur, parfait. Ah c'est parfait. C'est parfait. Sauf qu'il y en a un blaireau qui est encore coincé. Voilà. Et l'autre il veut aller, bon il est un peu con. Bon c'est pas grave. Ok bon, bah c'est parfait. L'eau elle est toujours pas arrivée. Ah merde putain. Oh le con. J'ai fait un, bon c'est pas grave. C'est pareil, ok, c'est parfait. Eux ils foutent le linge devant. Merci bien les mecs, vous assurez. Par contre, CCTV, toujours le réflexe. Le réflexe CCTV. Et là normalement réflexe CCTV que je vais foutre. Juste, je vais rajouter des moniteurs ici puisque hein. Voilà, on a une capacité un peu plus importante. Ok, des nouveaux prisonniers arrivent. Et eh ben, on va pouvoir se laisser là les amis, c'est parfait, ça fait quasiment 30 minutes. C'est nickel. Oh mais putain, il y a les familles en plus là. Oh là 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 là. Il y a la famille au 50e degré là, du côté de l'arrière-grand-père là.
Il y a tout là. Et puis nos 8 petits prisonniers qui se ramènent tranquillou. Bah tiens, j'ai une idée. Au lieu de se prendre que des prisoners, on va fermer ça et on va se prendre des high risk maintenant. Parce que nous on est des ouf. On se prend des high risk. Il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez d'action dans la prison là. Et il n'y a pas assez de frigo ici non plus. C'est bientôt l'heure de bouffer. Ah bah voilà les. Merde, il y a trop de caméras. Alors, électricité, électricité, oui. Non, c'est raccordé, c'est parfait. Déploiement, patrol. Voilà, c'est parfait. C'est nickel. Non! Pas trop. Non, non, non. Voilà. C'est parfait, comme ça, le garde. Bah, c'est nickel. Capacité, parfait. Ah, par contre, là, ça a le temps de se décharger. Ouais, c'est limite, hein. C'est limite, c'est limite. Ouais, c'est limite. Je vais peut-être rajouter un garde, hein. Ouais, je vais rajouter un garde. Garde patrol. Voilà, comme ça, ils seront deux. C'est parfait. C'est parfait. Bon, eh ben, sur ce, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je me suis bien marré. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à aimer la vidéo. Et je vous réserve quelques surprises niveau design. Vous me direz si ça vous plaît. Et puis, même si ça vous plaît pas, ben, rien à foutre. Parce que moi, ça me plaît. J'ai mis tellement du temps à trouver. Ça m'a tellement brisé les couilles. Que voilà. Donc, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Salut à tous.